Chiquita, nanani, nanana. Les gars, vous voulez que je fasse quoi? Chiquita me critique, si elle a des raisons, elle a le droit de dire ce qu'elle pense, les gars. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille, les gars. Elle me critique. Vous voulez que je fasse quoi? Oui, je vais taper Chiquita. Non, c'est son droit. C'est son droit. Moi, le seul truc qui est relou, c'est que moi, j'appréciais un minimum quand elle faisait ces trucs marrants. Mais les gars, c'est son droit. Laissez-la m'attaquer. Arrêtez de me casser les couilles. M'envoyer. Réponds à Chiquita. Non, les gars, c'est son droit. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense de moi. C'est pour ça, parce que jamais là, je suis obligé de répondre parce que vous avez cru que moi, vous allez me mettre dans quatre sauces différentes. Vous avez niqué ma promo, mais c'est pas. Donc voilà, que de l'amour, les gars. Arrêtez. Voilà, arrêtez. Que de l'amour, je vous donne. Chiquita, voilà. Que de l'amour, c'est rien. Voilà que c'est rien. Tout ça, c'est du virtuel, les gars. Oh! Je me réveille ce matin, petit message d'amour de la part de Fenel. Mon gars, je crois vraiment que tu vas me berner avec tes bisous, c'est pas grave, Dudu. Eh, chacun, c'est Stéphane, vraiment. Vraiment, c'est Stéphane. Je sais pas quelle stratégie t'essayes de faire. Là, mais t'es dans la sauce, tu dis, hey, c'est mieux, je temporise l'affaire, sinon, tananinanana, chacun. Ton petit message d'amour que tu m'as laissé là, que tu m'as envoyé, ça là, c'est bon pour Weshden, hein? Ça marche pas avec moi, chacal. Non, parce que je sais très bien comment ça fonctionne dans vos cerveaux, dans vos esprits. Moi, je suis en train de vous dire une chose, je vous ai dit plein de choses, je vous ai prévenu sur plein de que trucs. Vous croyez, je suis là, je braille, je crie sur les réseaux, je raconte ma vie pour n'importe quoi. Et moi, quand j'ouvre ma bouche, c'est pour dire la vérité. Quand j'ouvre ma bouche, c'est pour dire des bonnes choses et c'est pour dire des choses sensées. Ce qui veut dire que quand je dis quelque chose, la prochaine fois, vous m'écouterez. Ok ou pas? Ok. Quand moi je propose quelque chose, quand je dis quelque chose, je suis carré comme un kiri. C'est pas moi, c'est moi qui l'ai inventé. Il y a une raison. C'est carré comme un kiri, ma moulin. C'est qui l'a inventé? C'est moi, chacun. T'as capté ou pas? C'est-à-dire que moi, dans le sens où je te dis des trucs, pour que ça rentre dans ta tête, je suis obligé de le dire plusieurs fois. Eh, vous croyez quoi? Moi, vous croyez que je me suis pas fait charcler sur les réseaux? Vous croyez que je me suis pas fait charcler? Eh, y a de la... t'es blessé et on met du sel dedans. Les humains, ils ont pas de pitié, ils ont pas d'âme. Encore pire sur les réseaux, chacun. Il faut être fort. En foutez-vous des humains. En foutez-vous. Eh, vite ta vie, chacun, celui qui n'est pas content, c'est pareil. Mais, prends en considération les bons comportements. Eh, mais je vous expliquais quelque chose. Il y a vraiment un truc que je voulais vraiment parler avec vous. C'est, faut savoir une chose. C'est qu'à partir du moment où tu mets ton pied dans les réseaux sociaux, t'as intérêt à avoir les épaules pour assumer le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est quoi? Faire les réseaux sociaux, faire du monde, faire des buzz, faire des gens qui te regardent sur Internet et tout ça. Ok, c'est carré, t'es reconnu dans la rue, c'est une bonne chose. Il y a des bons et il y a des inconvénients. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Il y a beaucoup d'inconvénients. Ça veut dire que si t'as pas la force morale et la force psychologique pour pouvoir assumer les haters, les haineux, les gens qui te veulent du mal, les gens qui veulent te mettre dans la sauce, etc., etc., bah sache une chose, que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire les réseaux sociaux et de pouvoir être sur les réseaux sociaux et de pouvoir être visible par tout le monde sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Je l'explique. Après, à partir du moment où tu deviens personnage public, à partir du moment où tu t'es un visage que les gens connaissent, même s'ils ne te suivent pas forcément sur tes réseaux et tout, ils te connaissent, ils t'ont déjà vu sur des gens qu'on reposte, etc. Donc, à partir de ce moment-là, tu as toujours des gens qui vont, entre guillemets, t'inventer une vie ou qui vont dire des choses sur toi, pas forcément vraies, souvent qui sont fausses. Et tu as vu, faut avoir, je te dis, et c'est réel et c'est la pure vérité, faut avoir une putain de force morale. Parce que t'as vu tous les gens qui te traitent, qui t'insultent, qui jouent sur ton physique, qui se moquent de toi, qui disent que t'es jalouse. Mais jalouse de quoi? Jalouse de quoi, chacal? Mais dis-moi, jalouse de quoi, en fait? Concentrez-vous un petit peu. Tu permets de dire des trucs à des gens, mais des gens, t'insultent. Des gens te détestent, mais te connaissent même pas, chacal. T'as capté ou pas? C'est-à-dire que faut vraiment arrêter de croire que les réseaux sociaux, c'est facile, et arrêter de croire que les réseaux sociaux, c'est le monde des bisounours. Loin de là. Donc vraiment, je vais mettre ça dans la tête des jeunes, que vraiment, n'arrêtez de croire que influenceur, c'est devenu un métier à la mode. Influenceur, tout le monde ne veut pas faire influenceur, tout le monde ne veut pas être personnage public. Donc déjà ça, sortez-le. Relate des faits, on explique des choses, on parle sur nos réseaux parce qu'on a une visibilité, on essaye que le message et le meilleur des messages y passe. Quand on n'attise pas à la haine, on essaye de, entre guillemets, prôner la paix, etc. C'est tout à fait raison. Il faut faire comme ça. Il faut être bon avec son prochain. C'est très important. Mais vraiment, c'est un message que je tiens à vous faire passer, que ça rentre dans vos têtes. Moi, personnellement, je vais continuer à faire des débats et je vais continuer à parler de qui j'ai envie, quand j'ai envie, où j'ai envie, et votre avis, il me passe vraiment au-dessus de l'épaule. Ça m'est égal. C'est pas parce que tu vas m'envoyer un message
en me disant, t'es jalouse, pourquoi tu fais ça? Nananina, que je vais changer en fait. Et ça, c'est pas pour rien. Et vous savez très bien qui je suis et comment je suis. Et chacun, on a peur de personne parce qu'on est. Après, je pense qu'aujourd'hui, on va clore le débat sur Weshden Feneu. Parce que la vidéo qu'il a postée sur son Instagram, ça prouve que déjà, il a vu les vidéos. Donc, il se connaît ma façon de penser. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'épiloguer encore dessus parce que c'est bon, le message, il est passé. Et on va passer à autre chose. Mais en tout cas, l'acte qu'il a fait en postant sur ses réseaux sociaux, en mode chiquitat, nananana, belle preuve de maturité. T'as vu, dans la vie, quand les gens ils font des choses pas bien, faut le dire, mais quand ils font des choses bien, faut le dire aussi. Après, je sais pas si c'est une stratégie, je sais pas s'il le pense, je sais pas si c'est sincère ou pas sincère. Mais en tout cas, belle preuve de maturité, en gros, de dire, tu veux, je fasse quoi? Liberté d'expression. On a le droit de dire ce qu'on a envie, on a le droit de dire ce qu'on pense. Et c'est le jeu. Et il a compris, t'as vu, en faisant cette vidéo, il a compris que c'était le jeu. T'as vu, des fois, quand tu fais des trucs, tu te trompes, tu merdes, t'assumes, chacal. À quel point? Donc voilà, on clôt le débat sur Weshden Feneu. C'était un plaisir. Ça fait un plaisir partagé. Veuillez me contacter en DM pour avoir mon coaching de vie.